Louis est courageux, il veut se garder pur et fort. Il met toute sa confiance dans sa bonne mère. Elle lui inspire intérieurement comment il doit se comporter. Un jour, un élève habillé pauvrement se fait moquer de lui. Tu n'as pas honte de venir habillé comme ça ? Guenille, attrape ça ! Aïe, aïe, laissez-moi ! Louis ne peut pas laisser faire ça. Il prend sa défense. Laissez-le, c'est mon ami. Il a une idée. Eux sont riches et lui est pauvre. Alors, c'est à eux de l'aider. Il tend la main et fait l'aumône pour ce malheureux. Avec l'argent qu'il a récolté, il part chez le tailleur accompagné du pauvre. J'ai fait une quête dans la classe. Voici de l'argent pour le vêtir. Et s'il en manque, c'est à vous de compléter. Bien sûr, il n'y a pas assez d'argent. Mais le tailleur est tellement subjugué qu'il accepte la pauvre somme et taille un habit neuf pour remplacer celui en guenilles. Pendant 5 ans, Louis poursuit ses études en habitant chez son oncle. En 1690, toute sa famille vient habiter à Rennes, afin que ses frères et sœurs continuent aussi leurs études. C'est Louis qui leur donnera des cours particuliers. Au collège, Louis-Marie s'est fait de vrais amis. Ils se retrouvent souvent ensemble pour prier et visiter les malades. Ils aiment beaucoup prendre sur leur temps de loisir. Louis-Marie en profite pour leur lire l'Évangile et le commenter. Il leur parle de la Sainte Vierge et prie avec eux. Merci, merci, merci encore pour être passé. Les journées y sont bien longues sans votre visite. Vous êtes jeune et plein de vie. Ça me redonne une nouvelle force à chaque fois. Vous êtes comme les rayons de soleil que réchauffe mon âme. Ils vont aussi bien à l'hôpital Saint-Yves que dans de misérables demeures où les malades sont souvent seuls et abandonnés.